Dossier haïtien sont dossier qui est extrêmement compliqué devant Conseil sécurité Nations Unies. Pendant à approcher communauté internationale là, comme quoi c'est l'écraser pays, mettez Haïti côté lié. C'est même communauté internationale ça qui montre motivation, le dévouement et bonne volonté le gagner pour aider haïtiens résoudre problème pays. Et bien bon l'autre bord, acteur politique haïtien qui t'a censé gagner motivation, bonne volonté pour porter une solution avec problème pays. C'est yon même encore qui a écrit même communauté internationale ça pour demander l'aide pour résoudre problème Haïti. Pressé pressé là, États-Unis décide de voyer un représentant Haïti après le fin recevoir demande officielle gouvernement Ariel là qui mandé pour voyer une intervention militaire en Haïti. Eh bien, restez là ou pral comme objectif visite officielle américaine dans pays. Nations Unies prend dossier intervention militaire étrangère très au sérieux. Li mette plusieurs options sous table. Déjà la noir sur blanc tout bagay est écrit. Y a bien pour voter sous li nan jou k ap vini la. Eh bien restez là, m'pral bo tout détail, m'pral détailler tout option yo ba ou pour konnen ki avenir police nationale d'Haïti genyen, ki avenir sécuritaire Haïti genyen nan jou k ap vini la yo. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue, c'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui là pour me porter émission parlant pour mon éditorial avec Yannick. Pendant un petit temps là, nous pral parler pays, nous pral exposer de A à Z différentes options Nations Unies prend là dans dossier intervention militaire étranger pour Haïti et on tout connaît tout qui ça qui gagne derrière visite officielle représentant américain a vienne faire en Haïti là. Déjà préparé, nous pral parler pays, nous pral mettre sous table tout détail pour qu'on exactement qui ça qu'a passé dans les couloirs du gouvernement haïtien. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter tous les jours à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Non, maman, ça n'a pas l'air là, sous ta fonti coup de pied pour descendre en ambassade américaine. C'est pas deux trois politiciens, c'est pas deux trois faux nationalistes ou abjouen qui campe sous ligne, Captain Blanc débarqué. Captain Blanc relé, Captain Blanc ba yo chaise pour yo vinn négocier, pour yo vinn parler dans nos peuple haïtien, pour yo vinn parler sous do Haïti. C'est tande m'tande Haïti haïtien qui soi-disant des politiciens gagne soi-disant des nèg qui a fait bataille politique dans nos peuple dans intérêt peuple. Chaque jour tande même politicien ça yo abdou, c'est communauté internationale précisément États-Unis qui gon pouvoir dominateur sur Haïti, c'est yo k'ap craser pays. Yo même dou c'est blanc qui mette Jovenel, c'est blanc encore dou qui assassine Jovenel. Bon, comment fait même nèg sa yo qui a terre qui sous béton qui dans manifestation k'ap mande peuple à prendre la rue pour mander démission Ariel Henry, pour exiger démission Ariel Henry, c'est même yo même encore qui dans liste moun qui pral rencontrer ak blanc, c'est même yo même encore qui dans liste politicien dans liste acteur politique qui pral chita ak blanc. Kote problème nan ye, on nous chercher ensemble côté erreur ye, côté problème nan ye. Jodi an la vérité c'est que chaque grain politicien haïtien, vérité c'est que chaque nèg qui fait politique en Haïti, yo besoin ti grain blanc derrière yo. Yo a cherché blanc qui pi influent dans maison blanche dans département d'état américain dans congrès américain pour yo rallier avec cause yo a. Et qui cause pour yo prendre pouvoir et qui pouvoir pour yo faire l'argent, pouvoir pour yo ka toujours gon intérêt économique qui a défendre, pouvoir pour satisfaire intérêt oligarque corrompu. C'est ça lié, mais c'est pas pouvoir pour changer condition vie moun, c'est pas pouvoir pour venir avec de nouvelles politiques publiques qui pral changer condition misérable malheureux malheureuse à vivre dans quartier populaire yo. Et bien semaine passée, t'es mon seul bagay qui a fait actualité en dedans la République. Tantôt tant d'Ariel Henry bral démissionner, mais dernier coup pour touyer coucou, c'est
résolution qui prend en conseil des ministres côté Ariel Henry à gouvernement là, yo mandé blanc pour blanc intervenu en Haïti pour venir aider au résoudre problème gang, problème insécurité, nèg G9 qui prend contrôle terminal Vareur. Eh bien, gagne États-Unis qui recevra demande officielle gouvernement Ariel Henry. Et dans objectif si là, pressé gon visite. Yon représentant américain qui débarque dans le pays. Là, je parle de Brian Nichols, qui est sous-secrétaire américain pour les affaires de l'hémisphère occidental au département d'État américain. Il débarque en Haïti jeudi mercredi là et la style là demain jeudi. Li pral gen pou rencontrer différents acteurs politiques, li pral gen pou chita parler avec des représentants d'associations patronales en Haïti tout autour de problèmes pays, de crise politique qui gen là, de problèmes insécurité qui gen là pour yo garder à l'avenir. Comment yon ka jouin en solution yon entente politique qui pa pral entrave décision Conseil Sécurité Nations Unies pour le prendre? Qui est li pral rencontre? Qui goup moun li pral rencontre? Eh bien, sous table négociation, sous table concertation, ou pral rencontre monsieur da Mondana yo, akor Mondana pla, Pen a pla, parti politique gré a pla, et la voye deux membres BSA, Magali Komodoni a pla, Ted Syndic a pla, et n'ap gen tout. Président transition à Montana qui s'est frisé le fond de Jean Lapla et nous gagnons premier ministre à Montana Steven Benoît tout Lapla. Mais n'est-ce que c'est tellement coquin, n'est-ce que c'est tellement magouille, tellement bluffeur. Gon Jean bagay la fête parce qu'on connaît dans moment là tout le monde a dou Ariel gen blanc passé blanc Kembe Ariel sous pouvoir, c'est blanc fait Ariel fait demande intervention militaire là, tout le monde a voyé monter, tout politicien ça a voyé monter. Comme si yon même yon pa gen blanc pa yon. Eh bien, koun yon, le Brian Nichols décide li rentre en Haïti là, li convoke monsieur dame sa yon en réunion pour yon fon chita pale sous crise politique paysan. Automatiquement, ancien sénateur Yuri La Tortue, li gen tap ra l'école de elle, ap ra l'école, ou li pa invite personnellement en réunion, en rencontre là, mais étant donné que AAA, qui se parti politique liyan, qui li même lié avec Akor Montana Pengrea, c'est ça que fait, li ka retrouvé dans réunion, c'est ça que fait le cas dans réunion, mais c'est pas que son invitation personnelle. Mais tout bagay ça pas besoin arriver là. Soit chito négocier avec blanc, soit pas dans négociation avec blanc. Soit ou admettre ou gen blanc pa ou, soit pas admettre ou pas dans chita avec blanc pour moun pa jou gen blanc pa ou. Jodi an la, vérité c'est qui ça lié. Tout nèg ka fè politique, yo besoin pour yo bon blanc qui favorable avec yo même. Et m'ap dou ça, politicien haïtien yo tellement remè blanc en vérité. En vérité. Côté yo pa choisi baisser tête devant haïtien. Mais devant blanc, sans blanc, pour qu'on me demande pour yon baisser tête, yon baisser tête. Parce que c'est comme ça. Nèg sa ou ka fè politique en Haïti, yon gen sa esclave la. Bon, bonne partie dans la population haïtienne nan ki gen sa esclave la nan yon. Ça veut dire là, depuis ces blancs parlent, yon toujours paré pour yon négocier, yon toujours paré pour yon dire, yon toujours paré pour yon céder. C'est ça qui mette pays en côté lié à la. Yon pas d'accord pour yon chita, yon pas d'accord pour yon chita avec Jovenel, non? Yon pas d'accord pour yon chita avec Ariel, non? Parce que yon nèg tête green barre yon. Mais kougon blanc qui vini, depuis ces blancs liés, depuis yon connaissé Washington ni soti, tout moun a fait la file indienne, a vini à la file indienne là, pour yon rencontrer blanc, pour yon parler à blanc, pour blanc passer ou l'autre. Koun yon kote bagay la paret ou tijan drôl. Ou t'en de faire réunion, États-Unis voye représentant, li voye Brian Nichols la vin faire réunion politique avec Negyo pour chercher un entente avant Conseil de sécurité des Nations Unies pour une décision. Mais est-ce que vous évitez de tirer le Sénat? Nous avons tiré le Sénat là, mais n'importe qui ça y est, petit coulier, c'est eux-mêmes qui gagnent une légitimité. Et pourtant, pour attendre, Sénat républicain pas invité. Tirer le Sénat pas invité. Joseph Lambert lui a annoncé que yo pas invité le Brian Nichols vini là la prendre rencontre acteur politique qui gè pouwe avec crise Ariel Henry, yo pas invité tire Sénat. Yo estime que tire Sénat li pas fait partie de conflit. Alors que jodi an là ou gagne même Joseph Lambert qui te ba un ultimatum qui te dit si Ariel pas assumer responsabilité, si Ariel pas décider presser résoudre problème là, lui même li pral prendre décision, lui même la vini avec des résolutions. Pipi déjà. Ça veut dire blanc pas considéré tirer Sénat pour rien. Blanc pas connaît yo la, blanc pas connaît existence yo. Donc dans moment on a parlé à là pour tirer Sénat pour Joseph Lambert son véritable affront.
son véritable affront lié parce que dans moment là s'il a metté tout nèg qui gagnait un problème politique tout nèg qui gagnait un contentieux avec gouvernement Ariel Henry premier groupe moun pou ta metté c'est ti rester dans république là parce que si ta gon entente au consensus qui joigne véritablement Ariel ta allé au moins faut ta gon minimum d'entente qui joigne avec société civile là avec protagoniste ça yo et tout avec ti rester sénat. Mais non, yo pa fèl parce que c'est Ariel Henry, y a protégé Ariel Henry et non seulement ça tout, Chita avec Montana Pin décide voyer Ariel Henry, faire Ariel Henry démissionner, yo pa pral bay tire sénat pouvoir parce que si yo te considéré tire sénat, li gon légitimité, li gon pouvoir, parole Lambert gon force, au moins ou t'ap jwenn Lambert nan réunion ça. Mais comme yo considéré que si reste là c'est pipi de jasse nèg qui rete là qui fait payer qui fait peuple haïtien dépenser l'argent chaque mois pour nous payer alors que on pas réglon merde ou après même international là pas considérer que existait toujours là mais qu'on y a à travers réunion ça gère ensemble de sanctions bon ensemble de sanctions que communauté internationale là li paraît pour le prendre là. Tout nèg qui connaît a sponsorisé gang, tout nèg za yo qui connaît yo même yo nan relation avec bandi, rapide la dossier haïtien 17 octobre k'ap vini la yo pral discuter nan Conseil de sécurité Nations Unies. Yo pral discuter dossier haïtien et en vérité depuis ces moun yo connaît, depuis ces moun yo connaît que nan politique lan, que nan secteur privé a qui a financé bandi, qui a financé gang, yo pral commencer prendre des dispositions. Et fois ça, c'est pas parole en l'air. C'est pas parole en l'air. C'est pas menace y a fait, c'est des sanctions qui pral imposer automatiquement. Est-ce que dans sanctions ça même nèg za qui fait partie de l'accord Montana, même nèg za qui fait partie de peine, même nèg za qui fait partie de gré, est-ce que yo pas pral jeune politicien Brian Nicole ça prend contrat avec yo là qui a financé bandi, qui a financé gang, qui a bay gang zam, qui a bay gang bal pour terroriser population, pour créer instabilité. Et dans moment là, gros paquet nèg, gros paquet politicien qui mettait ti jeune campé derrière barricade. Rete derrière barricade. Question campé derrière barricade là toujours là. Et nèg sa yo avec gros âme manche long nan men yo, y a terrorisé population, ou tande y a travail pour tel groupe, ou tande y a travail pour tel politicien, pour tel clan politique. Conseil de sécurité Nations Unies pral prêcher sous ca sa yo, li pral prêcher sous ca politicien yo parce que bagay la bagay de mesure. Jouet sa y a fait avec Haïti, elle pas ka gen bien caché l'ombrit là. Dans l'ouab bien tout uniforme yo en bas ou. Parce que là, nous conscients en Haïti, c'est politiciens qui armé, c'est nèg secteur privé qui armé. Faut bon lis qui dit mais qui politicien, mais depuis qu'il est là pas armé, etc. C'est comme ça pour madame Alimfè, c'est comme ça pour Binu voye rapport à aller dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et celle-là n'a pas tant de tout. Celle-là n'a pas tenu parce que Vilchita rentre en Haïti, fait deux jours, fait jeudi, mercredi, fait demain et jeudi, là, après rencontrer avec des politiciens, après rencontrer avec des hommes politiques, soi-disant pour chercher en entente, en négociation, des pourparlers, etc., en différents protagonistes. Mais c'est même protagoniste qui est véritable problème, non? C'est même protagoniste qui a créé insécurité, qui a favorisé insécurité, qui facilite gang, jouer un moyen jeudi, là. Pour créer violence dans le pays, pour craser, pour déstabiliser le PNH. C'est même yon même. Comment faire blanc? Attendez. Moi même, gros logique pour nous faire. Blanc d'où livre de Haïti. Alors que blanc chita avec même moun sa yo qui craser le pays. Et pas quoi venir faire? C'est la même ici à terre. Un groupe politicien, c'est yon même qui a créé stabilité. C'est yon même qui a violé la constitution. C'est yon même qui a baissé les âmes dans le quartier populaire. Et puis blanc d'où livre résoudre le problème Haïti. C'est avec yon même encore la chita parler. C'est avec eux-mêmes la jeunesse pas gain représentant. Secteur handicapé pas gain représentant. Donc c'est seulement nèg politique ça, c'est eux-mêmes qui gain un mot par pour dire dans l'avenir politique pays. C'est eux-mêmes qui ka décider de 11 millions 12 millions moun en dedans pays. Pareil, pas fait comme ça. Et puis courtant de blanc ou la Corée Ariel Henry, même eux-mêmes encore, y a voyé monter alors que eux-mêmes toujours dit en la pral chita avec blanc pour prendre décision non tout pays, non tout peuple. Moun sa nous ka prend au sérieux. Que te Montana, que te Pen, que te Gre, que te tire Sénat, que te États-Unis avec tout Brian Nichols, tout moun sa yo son paquet radoteur yo et son paquet transeur yo et mon cher.
Parce que véritable problème pays yo connaissez même homme politique ça yo même monsieur dame ça va chita sous table négocier avec yo faire rencontre avec yo faire des propositions des recommandations c'est yo même qui problème pays encore nous pas cap chercher solution en dedans problème là encore li pas jamais possible c'est corvée qu'a fait et entre-temps Ariel lui-même ne boit pas li chita l'apton l'apton déploiement force spécialisée en Haïti. L'apton que blanc répond ni blanc ballon réponse favorable, l'apton que Conseil sécurité Nations Unies répond ni favorablement avec demande différent. Gen plusieurs actions et gen des recommandations que secrétaire général et Nations Unies Luis Almagro li fait. Et dans rapport ça li voye aller a gagné et gagné plusieurs options yo envisagé. Nations Unies envisagé plusieurs options là dans ça qui gagne pour avec intervention militaire Ariel Henry avec tout gouvernement là li mandé communauté internationale là. Première option parce que dans moment là tout moun wè réalité et tout moun considéré que face avec situation extrêmement grave n'a vivre dedans pays yon, gen nécessité pour gagner des efforts internationaux qui fait pour renforcer PNH. Gagner yon objectif jodia qui t'a supposé atteindre dans deux institutions la police, c'est bail la police moyen nécessaire équiper police nationale d'Haïti. Mais hier nous faisons un saisissement et qui saisissement me fait mes amis, nous pas oublier gagner ambassadeur canadien Sébastien Carrier, le dossier 12 millions de dollars équipement PNH a fait actualité, tout le monde a demandé qui les matériels à venir, est-ce que Canada bail Haïti matériel yo. Et bien ambassadeur il a réagi pour le faire connaître que il gagne expertise qu'a fait, il contrôle qu'a fait sous demande Haïti pour yo bail Haïti matériel yo. Après il vient faire connaître OK tout moyen logistique yo, yo fin préparer toute bagaille qu'on y a arrêté pour matériel yo, pour chablende, pour équipement protection individuelle, arrêté pour yo voyer yo, pour Canada voyer yo en Haïti. Bail pour PNH à récupérer yo. Eh bien hier qui s'est passé, gen le moine Bono qui t'a intervenu dans émission sous Caraïbe FM. Eh bien le moine Bono fait connait. Et pour moun qui pas comme le moine Bono ça, c'est pas moun qui connait envoyer monter. C'est pas moun qui connait chercher faire buzz. Li fait connait que gouvernement haïtien depuis fin août 2022 yo te geta connait Canada te di yo li pa van yo matériel, li pa motivé pour le van PNH matériel, li pa motivé pour le van ni chablende ni équipement protection individuelle pour policiers parce que yo te geta proposé gouvernement Ariel Henry pour une intervention militaire étranger en Haïti. C'est ça bagay la. Il fait connait que ambassadeur Sébastien Carrier son gros menteur lié. C'est ça le moine Bono fait connait. Qu'on y a question pour nous poser. Côté 12 millions de dollars américains, est-ce que Canada va le couper pour nous? Est-ce que c'est même 12 millions de dollars américains ça que ensemble de pays à Haïti aide à Haïti donc encore? Est-ce que c'est dans l'argent ça Canada commencer reverser nous des allocations hein? Est-ce que c'est dans même l'argent ça autant de Canada mettez si l'argent dans fond basket et dans Conseil de sécurité Nations Unies pour nous? Est-ce que c'est même l'argent? Parce que faut nous prudents. Jodi an la fok nou commence kaleje nou, c'est pas seulement kaleje nou sous gouvernement Ariel Henry, mais gros ensemble de pays Haïti nan relation bilatérale multilatérale avec yo. Donc fok nou gade ki comportement yo, comment yo traite haïtien, comment yo traite gouvernement haïtien. C'est vrai nèg sa yo pa kanpe gade blanje, mais nou pa ka admettre tout pour blanc faire nous n'importe bagaille n'importe qui gens. Parce que nous avons droit pour nous faire voir nous passer. Il est extrêmement important pour nous suivre dossier Canada ça, suivre pour notre question dans dossier intervention militaire là. Canada c'est un pays qui répond favorablement oui pour gagner un déploiement en Haïti. Ou comprendre côté intérêt lié. Ou comprendre nous gagne 12 millions en mer jusqu'à présent nous pouvons pas jeune blender. Jusqu'à présent ou pour entendre PNH équipé alors que l'argent en mer, l'argent la police en mer. Donc on comprendre bagaille là puis bien. Et bien dans dossier intervention gagné secrétaire général et Nations Unies Antonio Guterres, qui lui-même lui fait des propositions. Il y a plusieurs options qui sont sous table là pour regarder comment le déploiement qu'a fait en Haïti. Première proposition, il y a demandé pour gagner une force de police multinationale. Et qui ça dit là-dedans? Gagner États membres, il y a plusieurs États membres qui gagnent une relation bilatérale avec Haïti à partir de l'intervention et de l'invitation. Et dans le cadre de coopération avec Haïti, ils ont décidé pour créer une force de police internationale.
pour yo te ka vinn renforcer capacité tactique et opérationnelle PNH a gagné qui t'a pral permettre li lutter li bataille contre toute gang contre toute violence gang en dedans pays a. Et là ça PNH t'a prêté seule force qui en première ligne d'attaque en première ligne de défense. Police nationale d'Haïti t'a prêté opérationnel et t'a gagné des opérations anti-gang là-dedans. Ça veut dire différents pays ça t'a venu en Haïti. Koun y a force de police multinationale ça li t'a gagné pour venir des policiers nou yo, vinn ba yo des formations, vinn ba yo des tactiques, vinn aider yo pour yo ka faire face carré avec bandi. Non seulement ça, tout si t'as gagné des interventions qui fait, c'est PNH qui t'a pris toute initiative. Les policiers nous yon tap devant, yon même yon tap derrière en renfort avec PNH. C'est comme ça, la première option, c'est comme ça, Antonio Guterres, c'est comme ça, li mette bagay la sous table. Kounye ya, police internationale dans li même li tap gagné pour entreprendre des activités. Tant ou bay des conseils de conception, aide pour yo faire des opérations contre gang yo, li tap aide la police tout pour yo bay formation tactique, li tap bay des conseils sous système avec pratique qui ta supposé fait, le yo pral rentrer dans quartier populaire yo dans fief gang yo dans fief bandi yo, yo tap pral former personnel PNH, yo tap pral permettre que police et police nationale d'Haïti joigne bon gens équipement jouer une arme avec munition. Yo t'a pral évaluer ensemble avec PNH ou ensemble de menaces qui pesaient sous sécurité nationale là, qui pesaient sous la vie chaque grain citoyen haïtien par gang criminel yo, pour yo garder comment en un mot yo te ka rétablir capacité tactique, capacité opérationnelle PNH gagné de manière à ce que population li reprenne confiance dans PNH et comme ça tout. Non seulement nous pas pral wè gen yon empiètement qui fait nan sa ki gen pou wè avec souveraineté nationale là, nan sa ki gen pou wè avec sécurité nationale là, parce que yon tap seulement là en renfort. Et puis ba gen Antonio Guterres qui fait konnen que équipe spécialisée ça li tap gen la dan des conseillers en matière de police qui t'a vini de un petit groupe état membre qui yon même t'a pral fait partie de police multinationale là. Et là ça tout yon t'a pral profiter mettre sous pied yon équipe d'intervention et dans équipe d'intervention ça yo t'a pral bay policier, yo t'a pral bay personnel et PNH en formation pour yo garder comment le plus rapidement possible yo ka gagner matériel qui t'a pral intercepter communication gang yo, yo t'a pral bay yo drone, yo t'a pral permettre yo utiliser des technologies avancées qui t'a pral intercepter toute communication gang à faire dedans pays ya. Gang qui fait alliance, gang qui fait gang qui fédéré, tout bagay sa yo t'ap pral ka aller sous contrôle PNH. Nou pas oublier Francel B. Avant hier la Francel B te voyager avec quelques membres dans l'état major la police. Côté yo te al participer, yo te gen pou yo participer nan yon rencontre non gros bagay qui te gen avec différentes unités de police. Na Amérique là, yo te al participer là-dedans. Le monsieur arrivé, y a regardé comment la police contrôle et ça qui gen pouwe avec circulation routière, comment la police contrôle toute activité, toute caméra yo mette les gonzak qui fait. Mais si yon rete bouche bien, yon rete bouche ouvri ap gade. Parce que yon wè sa kap pase en dedans PNH la, c'est jouet timoun, c'est jouet tek a fait. Mais si nèg yo vle décide tout bon équipe la police, mette yon police qui gen technologie la dedans, mette yon police qui a la hauteur de la tête population, mette caméra sous poteau yo, yon capable. Mais kounya e courant comment yo pral gérer avec question courant, question gaz, ça mande tout pour yo gérer tout problème sécurité pays pressé. Donc là c'est première option Nations Unies mette sous table côté que t'ap gen yon force de police multinationale qui t'a vinn former policiers yo, qui t'a vinn accompagner policiers yo, mette et vinn avec nouvelle technologie, vinn avec support pour policiers yo, permettre que policiers yo joignent moyens, joignent zam bagay sa yo pour yo aller affronter bandi pour yo river résoudre problème insécurité. Mais bon l'autre option. Option ça, c'est option ça m'ai l'impression Ariel Henry a tande là. Ça c'est deuxième option côté gen la dan, yo a créé une force spéciale multinationale. A toujours un groupe pays membre dans Nations Unies qui yo même a agi de manière bilatérale sous autorisation gouvernement haïtien pour créer une force spéciale pour aider Haïti pour faire pour l'attaquer phénomène gang nan, pour l'attaquer phénomène banditisme nan, notamment avec des opérations conjointes de frappe
côté on pral isoler bandi, on pral confiner tout pays. Ça veut dire là, on pral vivre dans une situation aussitôt que c'est deuxième option qui gagne force spéciale multinationale là, automatiquement c'est ça yo t'a prioriser, c'est ça yo t'a accepter. Gouvernement Ariel Henry a pral trouver dans une situation côté que yo t'a même décréter état d'urgence en dedans pays. Parce que depuis y a parlé de confinement, il y a parlé de isolement là ou dans une situation d'état d'urgence. Avec dit là, gouvernement pral décréter qui l'a ka sorti, qui l'a calva ki activité, qui l'a doué dans la rue, yo pral établir couvre-feu etc. en façon pour yo ka contrecarrer bandi, en façon pour yo ka rentrer dans fief bandi. Kounya, conseil sécurité hein, li a gagné pour accueillir favorablement une force spéciale qui a fiable, qui a bon certaine viabilité, qui a gagné objectif non seulement pour renforcer la police mais pour porter un large soutien politique et social en faveur de déploiement ça cap fait là et a gagné un accord significatif qui a passé entre gouvernement et opposition sous ça qui gagne pour avec problème politique pour permettre à ce que force spéciale ça li intervenir en Haïti. Donc j'ai l'impression Brian Nichols qui rentre là en dedans pays là qui décide de rencontrer avec acteur politique dans l'opposition, c'est préalable ça. Parce que nèg yo pa vinn ba on force de police multinationale. Ça qui passe en Haïti là, yo pa bon l'autre bagaille qui on force spéciale multinationale qui pral gagner là dans des décisions drastiques que gouvernement Ariel l'a gagner pour le prendre. Ariel a gouvernement là là, yo pral gagner pour imposer couvre-feu, pral gagner pour prendre décréter état d'urgence. Et puis attendez ya. Yo mettez tout bagay sous contrôle force spéciale ça, yo mettez tout bagay sous contrôle et intervention k'ap gen pou fèt là et puis binu li même la pla l'ap gagné pour le rendre compte et dans ça qui gen pour avec conformité et soutien force spéciale en bay avec gouvernement haïtien bay avec PNH en façon pour regarder est-ce que norme yo respecté, est-ce que standard yo respecté dans ça qui gen pour avec respect droit moun. Binu pa intervenu sous terrain, automatiquement gon force spéciale multinationale qui rentre, binu a plat pour dresser rapport pour dire est-ce que tout bagay correct, est-ce que droit moun respecté, est-ce que yo pas violer droit moun. Même nous pas oublier tout guerre NDDH qui là. Ah oui, NDDH là. Nous gagnons et Marie-Hélène Gilles qui là, yo la réseau droit moun sa ou la POHDH la, tout moun sa ou la, y a toujours adressé yon bilan est-ce que gen violation droit moun ou pas. Mais option deuxième option force spéciale multinationale là, jusqu'à date, c'est lui même qui était favorable, c'est lui même secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres, c'est lui même yo priorisé parce que estime ça qui passé en Haïti là, ça qui passé en dedans pays là, li mande pressé pressé pour yo intervenir et différentes interventions ça yo cap gen pour faire là, faut que le plus rapidement possible yo porter résultat. Kounya là, parallèlement avec force action rapide yo proposé dans deuxième option, gagne yon bagay que Conseil sécurité Nations Unies li mérité pour le faire. Premier bagay là, yo a gagné aussitôt que c'est deuxième option qui passe au priorisé, option qui mande force spéciale et multinationale là. Premier bagay Conseil sécurité Nations Unies a bien pour le faire, l'a bien pour renforcer de manière supplémentaire composante effectif police qui en dedans binu. Alors grand objectif permettre à ce que yon renforce PNH. Tout le temps dans des binu là. Binu gagne des policiers, oui là dans policier international qui là qui pour bay PNH formation. Il même pas connaît qui ça madame la lime a préglé à policier ça yo. M'pas connaît qui intention madame la lime, mais où est PNH chaque jour plus c'est dégrader l'a dégrader. Où est chaque jour institution PNH c'est nèg yo gon velléité pour écraser institution la police. Nèg yo m'ai pression principal motivation yo, principal objectif yo c'est pour tawe yo écraser PNH. Eh bien automatiquement aussitôt que c'est deuxième option hein, rapide vite conseil de sécurité a pral voye nouveau policier en dedans binu pral former PNH qui pral former et policier qui pral former différents unités différents groupes en dedans PNH yon façon pour yon ka gagner et capacité tactique pour yon ka gagner pour yon ka gon ensemble de potentialité nan yon pour yon intervenir dans ça qui gen pour avec différentes interventions k'ap gagner pour faire dans zone hostile yo, dans zone qui contrôlé par gang yo, dans zone bandi yo, pour permettre à ce que chaque opération yo fait pour yo déloger bandi, pour yo repousser bandi, pour gagner plus chance de succès, pour gagner plus chance pour yo réussir, pour policier yo pas victime et pour travailler là tout pour travailler là ka aller plus bien.
Deuxième bagaille que Conseil sécurité Nations Unies a bien pour le faire, c'est porter soutien bilatéral non seulement dans ça qui gagne pour former policiers mais tout ba yo équipement. Et Conseil sécurité hein, li dit que li commande à différents états membres pressé en urgence pour yo fournir PNH équipement, pour yo ba policiers formation, ba yo matériel pour yo capable goumer, pour yo capable affronter bandi, pour yo ka contrôler des zones stratégiques qui en bas mes bandi jodi là. C'est ça Conseil sécurité Nations Unies dit li ka fait. Toutefois c'est option 2 à qui passer, toutefois c'est force et spécialisé multinational là que t'a priorisé. Deux options, première option c'est en force spéciale, c'est en force de police multinationale. Ça m'a dit qu'on est son petit bagaille léger n'est pas jamais accepté parce que c'est domination, c'est présence continue on veut faire. Deuxième option, c'est ça tout nèg gen j'ai fixé sous lié, c'est ça réel demander tout. On force spécial multinational côté que a gagné des groupes tactiques, des groupes d'intervention dans différents pays états membres et Nations Unies qui a gagné pour décider là si Conseil de sécurité Nations Unies bail avis favorable pour rentrer en Haïti, pour venir porter support avec PNH, pour venir aider police nationale là gérer question gang là, déloger bandi, repousser bandi. C'est sa réalité en là. Je dis un dossier haïtien. Non seulement li en deux dans Maison Blanche, li rive joine États-Unis, mais tout dossier a li en deux dans Conseil sécurité Nations Unies, li fait continuer à faire parler de li, décision à prendre, proposition, recommandation. Et dans situation ça, nous obligé caléger, nous obligé suivre actualité internationale là en pile. Tout ça qui gen pour avec Haïti, que le t'es en deux dans Congrès, que le t'es dans le département d'État américain, que le t'es directement dans Maison Blanche, que le t'es dans OEA, que le t'es dans différentes organisations régionales, nous obligés de rester connectés depuis ce côté nous Haïti écrit sur international là, dans ça qui gen pour avec nouvelle internationale, faut que nous cliquions, faut que nous cherchions ensemble au maximum de formations pour nous porter pour rester connectés. Effectivement situation haïtien li compliqué, situation difficile là dans quoi des bouquins moun pa ka dormi, tout moun depuis dimanche soir oui, tout moun qui était dans zone 400 marozo occupé, moun qui était dans Rémi, moun qui était dans zone Guédon dans Duval, moun qui était dans zone Noir, tout moun obligé coucher votre plat en bas cabane pour qui ça parce que gen on guerre là qui éclaté entre 400 marozo avec vite l'homme, puisque premier élément information qui fait quoi gagner. Et l'homme sans jour qui t'a retourné là dans base 400 Marozo qui a fait va-et-vient entre Tomazo et quoi des bouquets pour gérer question vite l'homme, parce que vite l'homme lui-même l'a pété balle avec nèg parce que nèg 400 Marozo yo touyé on nèg pour vite l'homme, un soldat vite l'homme yo pour un masse l'argent sous lui plus passer $300,000 américains. Donc situation vraiment compliquée. Ou pas besoin de quoi des bouquets, pas aller faire quoi des bouquets dans le moment n'a parlé à la puisque situation est difficile. Même bagala, même coup de guidon pour moun qui était dans zone Fontamara, pour moun qui était dans zone Matissan, même coup de guidon pour moun qui était dans Torsel, moun qui était dans Pernier. C'est gang qui occupe pays, c'est gang qui a terrorisé population. Autorité yo là, pas aucune disposition qui prend pour freiner question grand banditisme dans le pays, pas aucune volonté qui anime nèg sa yo qui dans CSPN qui dans état major la police. Et entre-temps pays a pas fini, petit peuple a mouri, situation pas carrété comme ça. Pressé supposé gon décision qui prend pour freiner phénomène grand banditisme, pour freiner question gang dans le pays. Nous pas ka tolérer jodi an la que t'es rentré sud pays, que t'es rentré nord pays, li nan men gang qui paye qui fonctionne comme ça. Principal terminal pétrolier payant, parle de terminal Varela, G9 contrôlé, le gaz va kasoti, l'hôpital fermé, moun ap mouri l'hôpital, moun ap mouri la kayo pour soin de santé. Qui pays qui a fonctionné comme ça? Quand autorité, quand responsable, quand dirigeant, quand nèg qui a fait politique yo. Et c'est ça que j'aime toujours aimer prendre exemple. Jovenel qui pas de bon? Jovenel qui pas de bon? Ou bien c'est volonté nèg yo pas gagné pour yo faire pays. Et tout temps n'a prend chay pays en mettre sous dos pays étranger sous communauté internationale, c'est communauté internationale qui a crasé pays nous alors que décision nous pas voulez prendre décision yo. Ou gon opposition politique qui pa vle transcender intérêt mesquels, qui pa vle transcender aller au-delà de intérêt personnel li pou l'intérêt pays avant tout, ou gon groupe nèg dans société civile même coup de guidon, même coup de crayon et puis nous dit c'est blanc pa vle ouais pays, c'est blanc kap krasé pays, principal moun kap krasé, kap déstabiliser pays, c'est haïtien avant tout. Jodi an la résolution 2645 qui prend de la Conseil de sécurité Nations Unies
pour sanctionner tout nèg, tout commanditaire gang, tout nèg qui a fourni gang moyen matériel. Jodi an, si décision ça doit arriver, si décision ça doit faire effet, faut que nous commencer à marrer politicien, marrer nèg dans secteur privé, pas faire haïtien faire corvée, pas faire nous espérer un bagage qui pas risquer arriver. C'est ça lié. Même Jean yo fait nous dormir dans dossier assassinat Jovenel Moïse, j'ai l'impression résolution ça c'est pour nous faire c'est pour faire peuple haïtien endormir. Et c'est ça qui fait li temps moment arrivé pour nous commencer caler genou, identifier chaque grain criminel qui a terrorisé pays, qui a terrorisé peuple, qui a créé instabilité en dedans pays, identifier criminel ça yo, quel était sous pouvoir, quel était dans opposition, identifier yo et faut coopération bois caler à capoter résultat pour yo capoter résultat la caillou. Parce que jodi an peuple a souffri trop, jodi an pays a souffri trop, jodi an nous n'a parlé de démocratie alors que c'est nous même encore qui craser toute institution démocratique dans le pays. La justice pas fonctionnelle. Regardez comment prisonnier mourir dans prison yo, n'a fait pays, nous pas fait pays, n'a fait toute bagaille sauf pays. Moment arrivé pour nous prendre conscience, moment arrivé pour nous impliquer nous en tant qu'haïtien. C'est pas blanc pour changer pays pour nous, c'est nous pour changer pays nous. C'est pas blanc pour ta vin avec on proposition à vin faire nous des recommandations pour nous mettre sécurité la caille nous, mais plutôt c'est nous même qui pour ta assurer nous que institution nous yo fonctionnel pour bailler peuple pour bailler pays en sécurité. C'est pas ça nous faire le contraire. Nous faire le contraire de tout bon dirigeant, nous faire le contraire de toute autorité valable, nous faire le contraire de toute autorité responsable. C'est ça qui a passé en Haïti là avec institution nous yo. Eh bien, m'bralé, m'ap quitté nous. C'est un plaisir pour me partager information ça avec nous. Rendez-vous à casser 7h boule avec Foucault pour reste la programmation. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sorti le lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2h, monsieur Chanel parle là pour bien informer avec Yannick. Mon Éditorial, nous prenons la balle épée, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix.